Bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien. Hop, 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 je vérifie, je coupe le son. Oui, c'est bon. Vous allez pouvoir m'entendre. Alors, ce soir, j'ai mis à voir des étoiles dans les yeux. Pourquoi? Parce que je viens de faire une séance de coaching et un des objectifs, enfin, quand on détermine l'objectif à atteindre, bonsoir, je vois qu'il y a des petits yeux, un petit œil qui arrive. N'hésitez pas à mettre coucou, à mettre hashtag replay si vous regardez après le live en replay et à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un autour de vous. Donc, avoir des étoiles dans les yeux, bah, c'est important. Coucou, ah salut Mélanie, je vois que c'est toi, je reconnais ton petit... favicone, mais qui est tout petit sur l'écran. Donc avoir les étoiles dans les yeux pour l'objectif, c'est un point à atteindre, parce que si on est sur un exercice, si on est sur un objectif qui est ouais, bon, en fait c'est ça qu'il faudrait que je fasse, bah, c'est pas très fun, d'accord, ça va pas être, c'est pas le truc qui va nous embarquer. Et donc, les personnes que j'accompagne, et moi-même, hein, c'est pareil, quand je dois me chercher vraiment ce qui me plaît, eh bien, ça va être le côté enthousiasme, le côté pétillement, le côté vraiment avoir les étoiles dans les yeux. Et ça peut mettre un petit peu de temps, finalement, à trouver ce truc qui vraiment fait avoir cette vibration. Et quand on l'atteint, on se dit « waouh, c'est bon !» Et en général, donc, non seulement on a les yeux qui pétillent, on a le sourire jusqu'aux oreilles, et on a des frissons qui parcourent le dos, signe que « ok, c'est le bon truc, on a trouvé la bonne chose !» Et donc, c'est ce qui s'est passé pour Fanny aujourd'hui, là ça y est, on a trouvé le truc, on le tient, c'est bon. Et donc maintenant, elle va pouvoir continuer à avancer pour atteindre cet objectif en passant par le rêve. Parce que ce qui fonctionne, c'est d'activer les rêves, d'activer ce dont on a vraiment envie. Et je vois les personnes qui sont de l'Académie Zéro Limite, là, qui reviennent tous avec les yeux pleins d'étoiles dans le groupe de la Z, ou qui partagent sur leur profil les super moments qu'ils ont passés. Et donc c'est vraiment ça qui permet de nous... Comment dire de nous maintenir en énergie et puis qu'on ait envie d'avancer. C'est vraiment ça, d'avoir ces étoiles dans les yeux, d'avoir le truc qui nous botte, c'est ça qui est important à réactiver, à retoucher. Et je me souviens que dans mon parcours, il y a eu un moment, c'était super compliqué pour moi d'avoir ces étoiles dans les yeux. C'était lourd, j'arrivais pas à m'imaginer le truc, j'arrivais pas à avancer. Et... voilà, c'était un peu laborieux. Donc, on passe du coup par des subterfuges, je vais dire, par des petits exercices comme d'écouter une musique qui va commencer à nous mettre un petit peu le sourire, commencer à faire un exercice qui va activer l'énergie, faire bouger l'énergie. Donc, ça peut être aller faire une marche, aller faire du vélo, aller jouer avec les enfants, aller se bouger. Et il y a quelque chose que j'avais fait, et si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. Donc c'est Claudine, et puis avec qui j'avais fait de la rigologie. J'étais allée à des séances où on y va pour rire. Et ça a été un super outil, ce truc-là, parce que les premières fois, c'est pas évident finalement de réactiver le rire naturel. Je l'avais un peu perdu, un peu beaucoup même perdu. Coucou Claire, j'espère que tu vas bien. Et donc c'est important de réactiver ça, ce rire, cet enthousiasme, ces étoiles pour avancer et pour se fixer un objectif, pour avoir envie d'y aller. Et donc hier soir, je me suis embarquée pour un super truc, je vous en parlerai bientôt. Là, je peux vous dire que j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, les yeux qui pétillaient, une énergie très, très super, voilà.
Et vous pouvez vous aussi cultiver ça et dites-moi en commentaire. Alors Claire, est-ce que tu arrives à cultiver cette énergie là en ce moment? Parce que bon, c'est un peu compliqué avec la pâte en vrac. Mais voilà, Mélanie, ça je sais que Mélanie, elle y arrive, elle le fait, elle le partage en live et c'est génial. Et je ne sais pas qui est la troisième personne. J'ai pas de. J'ai pas de d'infos sur le troisième petit œil que je vois. Donc entraînez-vous à cultiver cette énergie. Et puis si vous n'arrivez pas encore à la cultiver, eh bien regardez des vidéos de personnes qui ont cette vibration de joie, de plaisir. Et justement, ce soir, dans à peu près 20 minutes, il y a Nikki, donc Nikki Dual, qui reçoit Amel. Alors j'ai oublié son nom de famille, je suis désolée. Je vais vous le partager. Et si vous avez envie de monter en énergie, de cultiver le bonheur, de lâcher les freins, de faire sauter les blocages au niveau de l'énergie, au niveau de vos projets, etc. Bien évidemment, je vous recommande de profiter de ce live. Je vais vous le partager quand ça va être lancé et comme ça, vous pourrez le voir aussi. Voilà, moi j'ai super hâte d'assister. J'ai regardé une autre intervention de d'Amel qui avait eu lieu dans un sommet. C'est vraiment super chouette et ça ouvre des possibilités juste infinies et c'est ce qui est génial. Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, je vais aller manger un petit peu avant le live pour être disponible. Et puis, eh bien, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Cultivez bien les étoiles dans les yeux, cultivez le bonheur au quotidien parce que c'est ça qui ouvre les portes sur les rêves et les projets. Bye, à bientôt!